voir tout ce que tu peux faire avec ce livre. En bas à droite de la page, tu trouveras plusieurs symboles. Le symbole rouge, qui représente un œil, correspond à la rubrique « Découvrir ». Léo le lion surveille le lit. Parfois, Léa se met à tourner en rond à toute vitesse sur sa chaise. Ça l'amuse beaucoup. Les enfants du Mont adorent jouer avec les cubes, car ils peuvent faire sans cesse des constructions nouvelles. Je voudrais deux bretzels en plus. Ce sera tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons de la sauce tomate, un choix de belle qualité. Léo le lion surveille le lit. La chambre de Léa et Clément est très colorée. Tu connais certainement beaucoup de couleurs. Tu vas entendre maintenant le nom de plusieurs objets. Si tu sais de quelle couleur ils sont, pointe sur la couleur de la guirlande qui correspond. Voici la première recherche. De quelle couleur est la crinière du lion en peluche? Pointe sur la bonne couleur de la guirlande qui est en haut à gauche. Exactement. La crinière de Léo, le lion en peluche, est orange. Voici maintenant la mission suivante. De quelle couleur est le chapeau de cow-boy de Clément? Super. Le chapeau de cow-boy que Clément porte sur la tête est vert. Voici. Léo le lion surveille le lit. Léa a toujours plein d'idées pour embellir sa maison de poupée. Léa, crois-tu que le chevalier voudrait prendre la voiture? Le lit de cette chambre est particulièrement chaud et confortable. C'est pourquoi le dos s'y est blotti, alors que le jour s'est levé depuis longtemps.